Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des festivités du Tet au Vietnam. Le Tet, c'est le nouvel an lunaire et c'est aussi le moment de l'année où tout le pays prend les vacances en même temps. Chaque année, les rues s'animent et s'embellissent partout à travers le Vietnam. La danse du dragon est un incontournable pendant ces festivités. Ce sont des danses colorées et bruyantes effectuées par des genres de licornes, lions, dragons qui ont lieu un peu partout à travers le pays. Ce rituel dansant fait partie des coutumes traditionnelles vietnamiennes. On croit que la danse dissipe le mal et porte chance. On pense qu'une famille ou une entreprise visitée par un spectacle de danse du lion aura de la chance pour le reste de l'année. Les performances joyeuses et amusantes sont accompagnées de tambours battants et les meilleures d'entre elles rassemblent des foules pendant cette période de festivité. Donc, on fait une petite activité familiale pour le Tet. On vient au marché aux fleurs de Phu My Hung avec la famille ici derrière moi. Donc, il y a tout plein de fleurs un peu partout. On s'amuse beaucoup à voir toutes les sortes de fleurs. On explique aux enfants c'est quoi les différentes sortes. Ça, c'est des chrysanthèmes, des petites chrysanthèmes. Wa-oup! Wa-coup! Il y a tout plein de chrysanthèmes. C'est surtout les fleurs jaunes ou oranges qui sont populaires pour le Tet au Vietnam. Parce que c'est des fleurs qui sont pour les festivités, pour les moments joyeux, mais aussi les moments tristes quand les gens décèdent, c'est aussi les fleurs jaunes. Donc c'est des fleurs associées à des moments importants de la vie, comme la vie et la mort. Et tantôt on voyait aussi des petits chili du Tet. C'est toujours agréable de venir au Tet comme ça dans les marchés de fleurs. C'est toujours joli à voir avec plein de sortes de fleurs différentes et des gens qui sont joyeux avec le nouvel an qui arrive bientôt. Ça sent bon? Oh. Qu'est-ce que ça sent, Kim? C'est quoi? Ça sent comme la savon. Ça sent le savon? Ah oui! Ça, c'est un gros ballon, Kim, hein? Oui! Tu aimes ça, des gros ballons comme ça? Non! Première fois que tu vois un gros ballon comme ça? Es-tu content d'avoir ça? C'est le tête! Les street food, il y en a toujours partout dans toutes les activités, festivals, etc. Toujours un petit snack à manger. Okay. 48 billion, everything here. Les enchères peuvent beaucoup monter pour les prix des arbres du Tet. On pensait avoir trouvé le plus cher à 3 milliards, mais le plus cher, c'est 4 milliards de dong. Donc peut-être 220 000 $ canadiens pour cet arbre. Look, another tree is more like the Christmas one. Oh yeah, this one is very beautiful. I think it's more beautiful this one. Very long, high shape. Oh, this one is even more beautiful for the curve. Yeah, I know, I prefer this one. Really? And look, it's come from Chaping. You remember, we've been there with Maman and Anne. Regarde ces fleurs-là. Ces fleurs-là sont belles, hein? That beautiful flower. Wow. That deb. Which one you want to buy? I want to buy this one. The three-color one? Yes. Ba mau. Dạ, cảm ơn mua cái chậu này ạ, cô. Chậu đó 2 em, 300 nữa. Ồ, lọc 300. Đẹp quá. 200?
Après avoir acheté de belles fleurs, notre escapade n'était pas terminée, parce qu'il restait encore le plus beau à venir. En même temps que le soleil se couchait, nous nous sommes dirigés vers la rue fleurie Wongwon, qui borde le lac Bamwet et qui était décorée avec des produits agricoles, de beaux arrangements floraux et des décorations de chats pour célébrer l'année du chat qui débutait. Cette rue fleurie est magnifiquement réalisée à chaque année, probablement la plus belle après la rue fleurie de Nguyen Hue que nous avons visitée l'an dernier. C'est un endroit idéal pour célébrer l'arrivée du Tet et prendre des photos pour garder de beaux souvenirs. Par contre, vu que l'endroit est très populaire et bondé de monde, il faut parfois du temps pour prendre ces photos. Kim et Anne se font souvent remarquer par les Vietnamiens parce qu'ici, on aime les enfants mixtes. Les gens veulent souvent prendre des photos avec elles, ce qui rend Kim et Anne très heureuses parce qu'elles aiment ça se faire traiter comme des stars. À Saigon le soir du Nouvel An, vous devriez absolument venir visiter cette rue fleurie pour vous mêler à la foule et profiter de beaux moments festifs. Hello! Le marché aux fleurs et puis la rue fleurie qu'on vient de voir, c'est à côté du centre d'achat Crescent Mall, le coin où est-ce que les gens viennent passer du temps en famille, avec les amis et tout. On voit qu'il y a même les décorations du Tet dans le centre d'achat, qui est très populaire pour les Vietnamiens ici. C'est comme la place où les gens viennent se tenir pour vivre la vie à l'occidental. Es-tu content, hein? C'est le Tet qui s'en vient. Nous voulions manger un buffet vietnamien que nous aimons bien. Mais tous les restaurants étaient complets, sauf un dans le centre d'achat. Nous avons donc mangé laotien, mais nous n'avons pas filmé et ensuite on est rentré directement à la maison pour se préparer pour notre départ dans le nord du Vietnam le lendemain.